Salut à tous, bienvenue au Style Busters à Lille numéro 1. Et nous sommes en direct pour la première interview avec un petit peu de retard, excusez-nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Style Busters, c'est un festival de graffiti avec de nombreux graffeurs. Une trentaine de graffeurs sont présents aujourd'hui et nous commençons l'interview tout de suite avec Bobo. Salut Bobo. Bonjour Pars, merci de nous accueillir ici. Merci d'organiser tout ça. C'est super cool. Et Bobo est un graffeur parisien et un des pionniers du graffiti. Et on va lui poser des questions un peu générales sur le graffiti et ses passions. Et déjà, première question, comment as-tu découvert cet univers-là, l'univers du graff? L'univers du graff, on va d'abord parler de l'historique. Les fins des années 70, début des années 80, c'était tous les tags anarchie. Nos futurs, etc. 81, 83, je parle pour Paris, de ce que j'ai vu, c'était les pochoirs dans le Marais et Paris intramuros. Et puis 83, 85, c'était le début du tag, Paris et toutes les banlieues. Puis le graphe, et puis ce qu'on en connaît aujourd'hui en l'an 2000, en 2021, il y a carrément un marché de l'art qui s'appelle art urbain ou street art. Il y a des centaines de milliers de gens qui peignent à la bombe aujourd'hui en France. Voilà l'évolution. Pour la partie hip-hop, on va dire, moi, le premier graphe que j'ai vu, c'était un métro dans Flashdance, un métro aérien dans Flashdance, 2 secondes. Après, en fin 84, est sorti le Subway Art. Là, c'était la claque. Mais la claque précédente, quelques mois avant, septembre 84, c'était l'émission de Sydney HIP HOP sur TF1. Il y avait le dimanche Starkey Hutch et il y avait ce quart d'heure de HIP HOP avec le breakdance. Et on voyait Futura 2000 qui peignait en live avec des effets de flou. Et ça nous a mis une claque de couleur. Voilà. Voilà, donc t'as commencé à en faire certainement avec tes potes, etc., j'imagine. Au tout début, c'était des tags de quartier. Ouais. Au tout début, même, c'était des stickers. On récupérait les stickers comme pour les cahiers de classe. On écrivait nos noms au marqueur. On était tout contents qu'on avait un Onyx marqueur. Après, ça a été les baranes, les torches, les mix d'encre, etc. Ouais. À partir de 85-86, certains sont devenus... ce qu'on dit All City, c'est-à-dire qui ont peint partout. Pour moi, dans les premiers, dans les années 80, qui ont peint vraiment partout en Ile-de-France, ça a été Boxer. En fait, chacun a eu un peu son année. Il y a eu l'année Boxer, il y a eu l'année Click, des casses, etc. On va dire que 83-85, c'était intimiste, le tag et le graph. 85-87, plusieurs crews, plusieurs quartiers ont commencé à se mettre au tag. 87, ça a été l'explosion. 89, tu n'avais plus une place pour poser un tag sur un mur. Par rapport au hip-hop, l'évolution que j'ai vue, moi, c'est que ça a commencé 81-83 avec le breakdance. Si on cite Cool Chain et Joey Star, moi, les premiers tags que j'ai vus de Chain, c'était Swick. Et pas chaîne. Joey, c'était Kate 67. Après, c'est devenu Joe, puis Joey Star. Bon. À la base, c'était des breakers. Donc, le hip-hop a vraiment commencé avec le breakdance, et l'émission HIP HOP, le breakdance, le tag. Puis sont venus les DJ et enfin les rappeurs à la fin des années 80. Voilà, là c'est pour la partie hip-hop. Mais tout le monde n'est pas hip-hop. Hein. Moi je me considère pas, on m'a posé la question tout à l'heure, je me considère pas Zoulou. Enfin voilà. Et tu me disais tout à l'heure en off aussi, je trouvais ça intéressant, tu disais que ce micro-phénomène de société qui est le graph, pour toi c'était le réseau social avant l'heure. Nous le tag, oui, c'était le réseau social. Je me souviens être passé dans un tunnel souterrain qui amenait à Porte de Saint-Ouen au stade. Il y avait un tag Crazy GM. J'ai posé un tag Bobo. Puis le lendemain, il y avait écrit rendez-vous au stade à 18h. Et c'est comme ça que physiquement, on s'est rencontrés. Puis un an après, ça c'était en 86, un an après, à la sortie du concert de Def Jam au Madison Square Garden, qui je vois sur les marches à la sortie du concert avec son Bob Kangol rouge et survêt rouge, toujours Crazy GM. Mais on s'est rencontrés physiquement comme ça. Je me souviens que Boxer était parti aux États-Unis. Il taguait plus trop, on était du même quartier. Et puis un jour, en promenant mes chiens, je vois un tag Boxer. Le lendemain, je vais à sa mère était fleuriste. Je vais voir sa mère et je lui dis, alors il est revenu, Gilles. Enfin voilà, c'était le côté
n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas encore les pagers et les tam-tam. Voilà, aujourd'hui, en 2021, on est en hyper connecté. On va dire qu'il y a les réseaux sociaux, c'est virtuel. Et je suis content d'être ici parce que là, c'est un réseau humain. On baisse le masque, là on voit Fast, peint derrière, je le connais depuis plus d'une trentaine d'années. Il y a Faz de TTSB, je le voyais déjà dans les soirées de breakdance il y a une trentaine d'années. Zoya qui est toute jeune, qui en un an a progressé de folie. Voilà, c'est ce côté-là et ce que tu organises aujourd'hui, c'est ça qui me fait plaisir. Avec Basalt, on avait organisé des jams et je vois qu'aujourd'hui ça perdure, donc c'est très sympa. Alors, tu as aussi d'autres passions où tu es plutôt reconnu. Si tu peux nous en parler, notamment ben, évidemment le slam et un peu nous dire ce que c'est. Alors, le slam, c'est une pratique amateur de poésie orale. C'est un animateur qui organise une soirée, qui accueille 20, 30 poètes, qui fait en sorte qu'il y ait du public aussi. Le slam, c'est dire un texte en public, son propre texte, sans musique, sans costume, sans décor, sans accessoires. C'est le verbe pur. Et je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer en live devant les gens, d'avoir une interaction pendant la pause. J'ai aimé ton texte sur Alzheimer, moi aussi ma mère a Alzheimer. C'est plus dur pour ceux qui sont autour que pour la personne elle-même. Ben voilà, tous ces rapports. Moi j'aime l'humain, j'aime le social. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai connu le début de la beatbox, le début du rap des années 80. Les Timidés sont complexes, Nexpuls Ultra, etc. Avant NTM ou IAM. Hein. Et dans les années 2000, pareil, j'ai retrouvé cet engouement de l'oralité avec le slam. Donc je me suis mis à organiser des scènes slam, ce que je continue à faire aujourd'hui. J'édite des recueils de poésie aussi avec l'édition Univers Slam. Oui, c'est une passion. J'aime parler, je suis bavard, donc coupez-moi s'il le faut. Hein, voilà. Non, c'est très bien. Et justement, moi j'avais une question aussi par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Hein, oui. On a des graffeurs, etc. Comment t'expliques 20 ans, 30 ans après, Il y a des mecs de 40 piges, 50 piges, 60 piges qui fassent encore des graphes alors qu'à la base c'est un truc de gamin entre potes quoi. Je me souviens dans une interview à la fin des années 80, on m'avait dit ouais, alors c'est une mode. Et j'avais dit non, pour nous c'est un mode de vie. C'est vrai qu'en peignant avec Part One de New York ou Tikid, quand tu les vois peindre, les mecs ils ont toujours la même passion qu'ils avaient quand ils étaient ados. Voilà, c'est. Je pense que tu tombes dedans comme Obélix tombe dans ouais. La potion magique. Voilà. Bah c'est cool. Bah écoute, je te remercie. Et on va pas t'embêter plus longtemps parce que tu dois faire aussi une peinture. Ouais. Qu'on va filmer aussi. Vous verrez, si vous continuez de regarder le live, bah vous verrez des images qu'on a filmées tout à l'heure. Et puis bah, je vous donne rendez-vous tout à l'heure aussi pour l'interview suivante. On n'a pas encore décidé qui va passer ensuite. Il y a des petites modifs, vous allez voir sur le programme. Mais on vous fera faire un petit tour du propriétaire parce qu'il faut savoir qu'il y a une trentaine d'artistes qui sont en train de peindre actuellement. Alors profitez bien et restez avec nous. Merci à vous. Merci.